quand, Muriel? Demain. Ça nous laisse toute la nuit. On prendra la chambre orange, avec le baldaquin. Hein, Antoine? On est en avance, là. Tu veux pas qu'on s'arrête? Pourquoi faire? J'ai envie. Ah non? Ben non, non, non. Si on s'arrête toutes les deux minutes, on n'arrivera jamais. Mais j'ai envie. Ça se commande pas. Oui, ben même. T'es pas à deux minutes, non? En plus, il y a ton père derrière. C'est pas mon père. C'est bon papa. Ne joue pas sur les mots. Même. Tu l'as pas adopté pour pas t'en occuper. Mais je m'en occupe très bien. Regarde-le, ce pauvre Roumain. Comment ça sa vie d'avant? Regarde comme il a l'air heureux. Ah, mon papa. C'est fini, les malheurs. Aujourd'hui, j'ai trouvé une vraie famille. Bon, tu t'arrêtes, j'ai envie. Non, non, Juliette, non. Toi, toujours toi. À fond, Eric Satie en regardant des Mizuguchi. On était jeunes et j'ai plongé. Elle était belle, je l'ai embrassée. Son corps frémissait de plaisir. Sa soif d'amour à en mourir m'entraîna dans le piège du désir. 12 ans après, j'ai envie de dire: je suis pas un sexe de compagnie. Oh non! Un coup rapide entre deux fenêtres. Il va falloir que ça s'arrête. J'ai pas pris un abonnement à vie pour visiter son cul maudit. Je suis pas un sexe de compagnie. Je vais pas tringuer jusque purple. Il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir que je change de vie. Ce monstre de mon lit. Yarba pour l'herbe et Vorbi pour parler, causer, exprimer, communiquer. Pas à pas bon papa par pelure, on va patiemment s'éplucher, se raconter nos présents et passer. Dans tes yeux, je vois la patente, ta patience de l'impénitent bavard. Brave papa, moldave, tu te tais. Ça prend un genre du programme, mais c'est pas là, bon papa. Mon fils, Arceline, je m'enferme dans une coquille protégée. Une jeunesse en enfer, elle fait mon lot. Mon cœur de sanglot, gorge à jamais ses ventricules, perso dans ma bulle. J'attendais un papa qui n'existait même pas. Puis va Antoine, gentil, serviable, avec son sexe, mon comité. Je fonds quand je suis dans ses bras. Mais pas à dire les papas, pas les mêmes. Un peu trop chiant parfois, mais je suis fidèle, moi. C'est comme ça. La Roumanie, c'est du passé, maintenant l'avenir, c'est avec moi. On va mêler nos cicatrices, tu seras mon père, je serai ton fils, je serai ta fille et ta famille et même ta vie. On est déjà tellement complices. Non, merci pas. Je sais que tu m'aimes, c'est suffisant, mon bon papa. J'en ai eu un calvaire.
cette nuit, poisseuse de vice, une lueur ainsi ton réveil, une amie douce et sans malice, championne du respect mutuel, toujours prête à rendre service, le cœur accroché au soleil, un sourire tendre, une âme complice, Muriel. Salut les amis. Oh merde, Muriel, je parlais justement de toi à mon papa. Mais dis donc, t'as fait drôlement, toi. Je suis tombée sur deux routiers très sympas qui allaient à Saint-Jacques. Ah ouais, c'est vrai, tu fais du stop. Mais tu connais pas mon papa. Maman, ouais, je vais te le présenter, je suis contente. On va bien porter. Ça fait un mois maintenant, c'est vrai. Non, c'est formidable. Mais qu'est-ce qui te prend, mon papa? Tu veux marcher, toi, maintenant? Je suis content que tu sois là. Moi aussi. Alors ça, c'est ta grand-mère? Non, ça, c'est l'architecte qui a construit la maison. Je t'ai pas dit? Une folle. Elle s'est pendue. Dans ta chambre, d'ailleurs. Au lustre. Mes parents adoptifs en ont profité pour acheter la maison. Et pourquoi vous avez gardé le portrait? Tu l'aimes pas? Voilà, tu sais ça, hein? Voilà. Ne touchez pas, bon papa. Vous allez encore vous faire engueuler. Vous savez bien qu'elle vous interdit le sucre. Un peu de psychologie, mon vieux. Hein? Allez, hop! Tous au cimetière! Ça va nous faire du bien de prendre un peu l'air. Bon papa, n'oublie pas ton bonnet. Je reviens, je vais faire pipi. Je t'aime. Moi aussi. Muriel, viens voir. La tombe du rebouteux est ouverte sur le côté, c'est dégueulasse. Tais-toi et joue. Bon, ça va. 107. Il me reste qu'une carte. Bien joué. Vous avez une clope? Si vous m'offrez une clope, je vous montre un secret. Quoi? La tombe du fils du rebouteux? T'en as de l'esprit quand tu joues, ami. Oh, arrête d'être désagréable. Ça me dérange pas, je gagne. Bah, profitez. Vous êtes pas prêts de rejouer au quartier, moi. Juliette, enfin, fais-nous plaisir pour une fois. C'est agaçant, dès qu'un truc te plaît pas, faut que tu craches dessus. Je sais que tu préfères quand j'avale. Oh, c'est dégueulasse ce truc. Bien sûr, c'est moi qui suis dégueulasse. Non mais tu t'entends, Antoine? Vous êtes bien tous les mêmes. Sous prétexte qu'un truc me plaît pas, faudrait que je me force. Mais je suis pas à tes pieds, moi. Quoi? Mais c'est toi? C'est ma perte? Non. Excusez-moi, je crois que mon papa me fait des avances. Quoi? Ah non, pas toi, mon papa, je t'ai... Parlez tous les deux. Quant à toi, on reprendra cette discussion plus tard. Avec toi, tout est si calme. Avec toi, tout est plaisir. La vie passe dans un sourire. L'avenir se construit sans larmes. Tout doit divorcer. Oui, mais je ne suis pas marié. Dans ce cas, marie-toi. Après tout, divorceras. Auras-tu le temps d'attendre? Je suis prête à sacrifier toute ma vie pour ton bonheur. Nous le partagerons ensemble. Je vais divorcer, mais d'abord je vais me marier. Et moi seule, je t'attendrai, la tête remplie de projets. Construira une maison pour abriter notre amour. Les murs seront en béton. Ainsi il durera.
marie-toi. Et puis je divorcera. Et puis l'on se mariera. On sera heureux, toi et moi. 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 Bouquet de fleurs, à ton âge, quelle honte! Je t'ai adoptée parce que je pensais que t'étais différente. Mon cul, t'es comme les autres. Un slip sous le bonnet, voilà ce que t'as. Voilà la vérité. Moi aussi, j'ai été adoptée. J'en ai assez souffert comme ça. Alors si tu t'approches encore une fois de cette pouffe de Muriel, t'es mort. Bonne nuit. Bon papa. J'en étais sûre. On a mis des panneaux sucre. C'est mauvais, porté dedans. Désobéis en plus. Tiens, c'est mérité. Vierta vistia rivera, si on slave. Il m'empêche de fumer. Il bouffe tout le temps. Alors je vais le donner, hein. Je vais m'en débarrasser. Comme tu la regardais. Qui? Muriel? Ça tire. Ah, mais ça suffit, hein. Connard. Ne prends pas sur ce ton. Je suis venu ici pour me reposer. Oui, bah ça on le saura, hein. Voilà. Tu restes à côté de moi maintenant. Antoine, c'est comme tu veux pour le service. Antoine! J'arrive, Juliette. Allez, bon papa maintenant. L'odeur est délicieuse. Eh ben c'est parfait, t'as plus qu'à nous servir. Et voilà, bon appétit. Et pas de bruit avec ton bouillon, bon papa. Je te surveille. C'est pas très nourrissant pour une personne de son âge, non? Penses-tu? Tu viens des Carpates? Il nous enterrera tous. Enfin, Antoine, toi qui es médecin, tu...
Une soupe de brancardier, mais rien. Plus pour longtemps. Espérons-le. Désolée, mais ça me gêne. Il pourra manger la même chose que nous, non? Le médecin lui interdit les nourritures trop riches. Il digérerait pas. D'ailleurs, il s'est jamais plaint. Hein, mon papa? Mon papa? Mon papa? Mais relève-lui la tête, il va se noyer. Mais qu'est-ce qu'il a? Hé, mon papa! Oh! Ses dents! Regardez ses dents! C'est un abcès. Oh, mon Dieu, quelle horreur! Il faut le soigner. Mon papa, n'aie pas peur. Vite, j'ai le dentiste de garde. Alors? La voiture démarre pas. Si on reste bloqué ici, on va lui enlever la dent ici, alors tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, avec les doigts? T'auras pas la racine. Et un couteau? Bah casse pas du tout. Non, il est! Il est beaucoup tout pâle. Séparez-vous et cherchez des outils. Il est arrivé du bon bon papa. Encore mal, je vous la garde. Mais alors, voyons. T'es nul comme brancardier. J'ai peut-être un truc, tu vois, mais je suis pas sûre. C'est pas possible. C'est aussi ce que je pensais. Mais ça va le tuer. C'est clair qu'il sera pas frais. Remarque, en y allant doucement. Tu crois vraiment? On va tenter. Tiens-lui la tête. Moi je vais prier. T'es bien calé? Ça va comme ça? Montre-moi sa dent. Agaçant. Il bouge tout le temps. Arrête, arrête, c'est rien. Arrête, ça suffit. Bon, papa, stop, non, hein. Ça suffit. C'est pour ton bien. Arrête. Mon bon papa, pourquoi nous as-tu quittés? Pourquoi les meilleurs partent-ils toujours les premiers? Te voilà en route vers un monde meilleur. Repose en paix, mon bon papa. Hier encore, nous étions si heureux. Je lui disais des mots qu'il comprenait. Il écoutait. C'est pas possible de baisser un peu le saxophone, s'il vous plaît, parce que c'est... Non, c'est pas évident pour se concentrer. Oui, c'est... Ça va comme ça? Oui, c'est mieux. C'est mieux. Hein? C'est mieux. Je reprends, c'était quel mauvais moment? C'était un mauvais moment, Juliette. Toi, tu n'as pas d'abcès aux dents. Pour toi, la vie continue. C'est ton destin, Juliette. Il faut surmonter. Marie. Yes. J'ai bien réfléchi, tu sais, tu es la femme que j'attendais. Je t'aime. Marions-nous vite. Quoi? Va pas la tête, mais tu pourrais choisir ton moment. Mais c'est sérieux, Juliette. Oui, ben, on en reparlera quand on aura ton diplôme. Pour l'instant, j'ai encore de la terre sur les mains de la terre. Où repose mon bon papa? Yeah.
Parce que j'ai horreur de ce genre de comportement. C'est dangereux ou... Bon, papa, arrêtez maintenant. Descends, prouve que t'as quelque chose dans le frac. Ne m'énerve pas, Juliette, hein. Nous sommes sauvés. Tu as été formidable. Juliette, tu peux... Elle est devenue comme le roumain. Filons d'ici. Oh putain, plus si peu dire. À la voiture. Courage. Ça n'en finira donc jamais. Allons dans la petite maison. Oh, tu vas voir qu'à tous les coups, il n'y a pas de lumière. Tu vois, tout n'est pas si noir, ma Bubu. Vite, allons nous cacher dans les caves. Bonne idée. Pour la vie, l'assaut contre les forces obscures, notre amour pur pour sa larmure, affrontons l'ombre des zombies. Muriel, Antoine, Muriel, Antoine, Muriel, Antoine, je t'aime. Mêlons nos forces ensemble et combattons jusqu'à l'agonie. Prions Dieu pour nous garder en vie. Qu'apprends ma tour, l'eau est bénie. Trouvons le moyen de sortir d'ici. Par là, il y a peut-être une sortie. Yeah. Il n'y a plus qu'une solution. Escalader la grille et ramper jusqu'à Deauville. Bonne idée. Ah. Allô? C'est qui? J'entends pas, je suis près de la grille de la maison, ça fait des interférences. C'était Juliette, je nous ai trahis. Elle avait appelé en numéro masqué. Regarde! Ces monstres ont donc tous les vices. C'est le moment de vérité, ma Mumu. Ah, voilà. Ah, oh, bon sang, bon sang. Allez, vas-y, Mumu. Tu vas crever, pourriture. Vas-y, ma Mumu, j'arrive. Attends, j'arrive. Tiens, prends ça, tiens. Oh.
prends ça, bon papa. La gourde. Mange pas, petit fumier. Antoine, il t'a jamais aimé de toute façon. C'est moi qui l'aime. S'il voulait t'épouser, c'était juste pour divorcer. Attends, attends. Garde ta gueule. Bien fait pour ta gueule. Pour l'éternité. Je voulais juste me reposer. Mon Dieu, Muriel. C'est un cauchemar! Excusez-moi, la direction de la gare, c'est par où? Parce que le stop dans le coin, ça marche pas des masses. Qui c'est cette bouffe? Ça dépend d'Auville ou Trouville. On s'en fout d'Auville ou Trouville, qu'elle se casse! Eh oh, ça va, c'est bon! Non, mais c'est vrai, attends, enfin, je m'en occupe. Vous voyez la petite nationale là? Ouais. Eh bien, c'est tout simple. Vous roulez quoi, ça? Ah, bah non, je suis con, vous êtes à pied. Ouais. Non, mais en plus, Deauville ou Trouville, c'est là-bas. Hein. Ah, c'est par là-bas? Bon, je parle pas. Continue de filmer!